Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 1 du Let's Play de Resident Evil HD. Donc, nous allons... Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, nous allons faire la campagne... Alors, on va le mettre en large, moderne, les sous-titres. Voilà. On va se mettre... en normal, on verra bien. Et pour cette, donc on va prendre Jill, mais on va la prendre en BSAA, pardon, parce que j'ai déjà, enfin j'ai déjà, quand j'ai fait le 1 à l'époque, c'était cette tenue là et j'ai pas eu l'occasion de jouer avec elle dans Resident Evil 5. Enfin, dans Resident Evil 5, il y avait un DLC en fait. On faisait un petit bout du manoir, d'un autre manoir. Et elle avait cette tenue-là. Et je la trouve sympathique cette tenue. Donc, on va la prendre comme ça. Ça va faire un peu. Comment on appelle ça? Bizarre comparé aux autres. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Have you found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place?
Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. Donc nous voici arrivés dans la maison. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Attends, j'ai mal vu ou il a goûté le sang? Il est dégueulasse. Attendez, j'attends que la première phase se finisse, après je vous parlerai. What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Alors. Oui. Donc, je voulais vous dire... Donc j'ai fait ce jeu à l'époque sur PS1 en fait. Apparemment ce serait le remake du remake, donc du Resident Evil Rebirth sur GameCube.
que je n'ai pas fait. Donc, je ne connais pas la maison. Enfin, la nouvelle maison, on va dire. Donc, genre, ça, j'avais jamais vu. Normalement, on passe derrière des escaliers, il n'y a rien. Non, moi je me demande pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Ouais, non mais c'est bon. C'était quoi ce cri flippant? Enfin ce soupir. Je vais aller retourner là-bas. Donc, bah cool hein, on s'est fait abandonner par Wad, qui est super courageux. Joseph s'est fait bouffer. On a perdu Wesker, qui est notre capitaine. On a perdu Chris. Pardon. Alors, examiner les objets. Ouais, ça, on s'en fout. Comment dire? Alors, on perd Chris. Wesker se barre. On est un peu en flip dans une grande maison comme ça qui fait peur. Et Barry, qu'est-ce qu'il trouve à dire? J'ai une idée, on se sépare. Oui. Alors, notre ami, normalement, a un chargeur. Kenneth, il a l'air d'avoir quelque chose dans sa main. Hein? C'est la cassette qui appartenait à Kenneth. Il faudra un magnétoscope. T'es sérieux là? Il n'y en avait pas normalement avant. T'es sérieux, 5 balles? Il connaît au moins, même pas. Elle est où la porte? Un ascenseur. Des escaliers. Oh lolo 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 lolo. Oh lolo, ça a changé là. Attendez, on va faire les choses. Je vais faire les choses dans l'ordre. Normalement, on peut ouvrir cette porte. Ah, même pas. Alors là, on peut pas. D'accord. Elle est toujours fermée de l'autre. Voilà, de l'autre côté. Ouais. Ah, quoique, oui. Si, c'est bon, je vais le prendre. Ruban, j'en ai pas besoin tout de suite. On va aller chercher la carte. Pardon, la carte de la maison, parce que là, je... Alors... Ah, il n'y a plus les escaliers. Ils ont mis... Attends. T'es gentil, on fait comment pour l'en...
Wow, on est parti. Alors, c'est quoi ça là-bas? J'espère qu'on voit ma souris. C'est quoi ça là? Ça, c'est la salle à manger. Le couloir. Ouais, déjà ici, ils ont rajouté un truc là. Là, c'est la salle. Ouais. Là, c'est le couloir, la chambre. Ça là, la plante. Ouais, ça n'a pas changé. Mais c'est quoi ça? Là, ouais. Là. Ouais. Ça. Ouais. Jusque là, ça va. Là, ouais. Ça, ouais. C'est là que ça me semble bizarre. On va aller voir. Je vais enlever ma souris. On est parti. On va aller voir ça. Ouais, ça va être génial si je redécouvre la maison. Donc c'est-à-dire qu'on va... Ah oui, ils ont rajouté des salles et tout ça, puisque il y a la porte là, sous les escaliers. Ouais, non, du coup, on va garder le... Il y a une porte, ouais, c'est bizarre. Ouais. Putain, fallait le voir. Grande cage à oiseaux, corbeau mort à l'intérieur. Bon, ça se fait que le lustre il bouge. Non. Il y a un cadavre au sol, il semble être mort sur le coup. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment? Ah, ça c'est bien ça. Oh non, je me suis trompé. On va les combiner tout de suite. On va les voir. Ah, c'est cool ça, il n'y a pas le... Pas le chargement des escaliers. Ah, donc les portes chargent toute la pièce. Oh, ça c'est cool. Encore des plantes, un zombie. Ouais, quoi, c'est dans une... Oh, il est là.
est mort. Une porte verrouillée de l'autre côté. Oh, ça c'est pas bon ça. Si. Ah. Flèche dorée. Cool. C'est quoi ça? Cool, un chargeur. Alors, deux portes. C'est pas ce bouton là, c'est celui-là. Ok. Nous allons la refermer. La porte est verrouillée de l'autre côté. J'ai déverrouillé la porte. Ah, ça ramène en haut ? C'est quoi ça? Poignard. Alors, si vous utilisez des objets de défense, pardon, tels que le poignard, vous pouvez échapper à la trappe par derrière. Ah, il y a ça maintenant quand on se fait choper par les zombies? On va repasser par là-bas et on va aller voir l'autre porte que j'ai loupée. C'est trop bizarre qu'ils ont rajouté des pièces comme ça. Bon, là je sais qu'il y a des plantes. Pas les prendre parce que je pense pas en avoir besoin tout de suite. Enfin, il y a une inscription sur le bouclier. La mort n'est qu'un commencement. Ouais, super. Le truc qui te met bien à l'aise, quoi. C'est quoi ça? Il y a une inscription sur le bouclier. La mort, la véritable essence de la plénitude. Ouais. Il y a quoi au bout? Il y a une inscription sur le bouclier. La mort et la réponse. Là, il y a une porte. Et là, il y a un truc. Celui qui s'empare de l'emblème trouvera la paix dans la mort. Où le clé du manoir? Oula! Ouais, Ouais, bah ça pue un peu du cul, quoi. Ça pue un peu du cul. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Ah bon?
Bah, l'autre. Il est où l'autre bout? Ok, bah on se casse. Hein. On peut me faire chier à prendre une clé qui. Qui va me faire mourir. On va repasser par là-bas, on va aller chercher le truc qui est tombé de la. De la statue, merde. Bon, ça commence à faire. Ça commence à faire beaucoup. Mon inventaire est quasi plein. Attendez. Je vais faire quelque chose parce que je ne sais même pas c'est quelle clé pour. Porte là-bas, je vais laisser le blason là. Au moins comme ça. Si je le cherche, il sera à côté. Pardon, on va aller prendre le couloir. Quinze et 17, ouais. Normalement ça peut le faire. Je peux même pas passer. C'est quoi ce délire? On va aller en haut. Ils sont sérieux là, il y a une porte là. Il n'y avait pas de porte avant. Oh là 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 là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des munitions pour fusil? Ouais. C'est pas ce que j'ai besoin pour l'instant. Mais... C'est quoi ça? Une tombe avec un ange. Il y a une cavité en forme de pointe de flèche. Ah! Ce délire.
C'est quoi ce bruit? Quatre masques. Un masque qui ne parle pas du mal. Un masque qui ne sent pas le mal. Un masque qui ne voit pas le mal. Un masque incapable de parler, sentir. Ou voir le mal, ouais. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Le œil pour œil, dent pour dent, ouais. Ouais, enfin, le mal s'éveillera, donc, en gros... En gros, faut pas réveiller le truc, faut examiner, j'ai quoi comme clé. Une épée gravée sur la clé, donc, j'ai la... La clé épée. Ok, donc j'ai récupéré une clé, super. J'ai récupéré la clé épée. Par contre, ils me disent pas... On va regarder. Je sais plus ce qu'il me disait. C'est verrouillé. Une clé casque. Là-bas c'était une clé armure. Et là c'était peut-être la clé épée, non? Si c'est pas ça, on va aller en haut. Ah bah voilà. Donc on va... Je vais prendre mon chemin habituel, hein, excusez-moi, mais là, comme je suis perdu, je préfère faire dans l'ordre. Ah, j'ai... Ah, lui, il est toujours là, c'est bon. Oui, bah voilà. Je vous cache pas que normalement, dans ma version, il y avait des chiens. Donc, un peu bizarre, quoi. Là c'est quoi? On va aller voir là. Je vais faire chaque porte à chaque fois. Hein.
En espérant que ça me renvoie pas dans des trucs. Ok. Ce que j'entendais là, je ne sais pas si c'était un chien ou quoi, mais je préfère pas tester. On ira plus tard. Plus ça tombe, c'est pour avoir... comment on appelle ça? Des plantes, des trucs. Enfin, en même temps, ils ont tout changé. Donc. Oh putain! Ah, tu dormais dedans. Ok, donc on dirait que t'es pas habitué à... Non, j'ai fait ça pour un couteau. Putain. Donc elle est pas habituée à voir des morts... Enfin, personne n'est habitué à voir un mort se relever, mais... Alors... Excusez-moi de regarder toujours la carte, hein, mais vu que ça a changé, pas envie d'être perdu. Cool la caméra de dehors. Là il y a une porte. Ah. Je connais cet endroit. Ruban. Oh. Un fusil. Oh, c'est cool, un fusil à pompe. Ou un fusil de chasse, j'ai pas vu. Mais... Oh oh. Dépêche-toi de sortir. C'est quelle porte? C'est là, vite. La porte ne s'ouvre pas, c'est quoi le délire? La porte ne s'ouvre pas. Oh god, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill! You in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand. Oh, c'était juste. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. No. Un succès. Non. Par là-bas. Wow, 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 wow. Donc après ça, hein, faut qu'elle trouve une penderie. Parce qu'elle a dû faire limite un pipi. Un pipi culotte. Alors, on va se vider. Enfin, se vider nos poches. Hein. Pas se vider. Bref.
J'étais pas tout seul. Ouais, bah, ils sont gentils, eux, mais... Ouais, ça fait bizarre, parce qu'avant, on pouvait pas... On les entendait pas, puisque... Quand on montait les escaliers, il y avait un chargement. Alors, il y a une lanterne sur la caisse, ouais... Lumière chaude nous attend, ok... Attends... C'est quoi ce papier? Instruction spéciale pour la destruction des cadavres. Sérieux? Nous avons des nouvelles informations sur ces créatures. Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. Nous connaissons actuellement deux méthodes permettant de stopper la résurrection. Incinération, destruction des cadavres. Si d'autres méthodes sont découvertes, nous vous en informerons immédiatement. Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre... Du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir, prenez-en autant que possible. Vous en aurez besoin de quelque chose pour allumer si vous devez vous le procurer par vous-même. Vous les cramez maintenant? Si on les crame pas, ils reviennent. Ah, on a des cadeaux. Munitions pour pistolet. Vas-y. Ruban. Spray. Ah bah c'est cool. Donc on va faire... Hop. 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 C'est le couteau de survie. Oh, j'hésite. Oh, je le sens mal. On sait jamais. On va prendre ça. Une gourde. Ok. Pour l'instant, ça semble inutile. On va le déposer. Allez, on est reparti. Donc si on les... Et là-bas, ça sert à rien. Ils étaient deux dans le temps ici.
C'est quoi ça? Double plaque en bois? Rien d'habituel. Okay, encore un truc super utile. Bon, je vais aller chercher un papier qui me sert à rien, mais c'est juste pour le style en fait, histoire d'avoir tout. Enfin, histoire d'avoir tout. C'est jamais. Peut-être rajouter quelque chose. Tiens, ça par exemple. De bien cacher quelque chose. Je dois trouver la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce cornio de diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage à l'ouest de la terrasse. Il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrer en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risque d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cette mission qu'à vous, bien sûr. Vous recevrez une récompense si vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps. Les chances de vous servir, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous deux à y gagner. John machin. C'est qui ces gens? Cool. C'est des nouveaux. Un vieux gramophone disque s'intitule Jupiter. Ouais. Un journal ouvert. Les pages sont vierges. C'est quoi qui brille? Botanique, l'usage des plantes médicinales. Ouais, ok, c'est ça. Oh ouais. Ouais. Je laisse quelques minutes si vous voulez faire pause, hein, mais... En gros, ils disent que les bleus, les plantes bleues, ils neutralisent le poison. Les rouges, en lui-même, n'a aucun effet, mais si on les mélange avec une verte, l'effet est multiplié. Donc, voilà. C'est quoi ça? Un briquet, cool! Je vais les sauvegarder là. Parce que le temps commence à avancer. Après, je sais pas quand est-ce que je pourrais sauvegarder, donc. Alors, collier de chien, on va le déposer. Ça, je sais pas à quoi ça sert, je vais le déposer. Le briquet, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et on va sauvegarder. À l'ancienne. Voilà. Bah merci à tous pour avoir suivi ce premier let's play. Enfin ce premier épisode du let's play de Orient Village D. Je vous dis à bientôt. À ciao les amis.